Son doux sourire cache une tristesse au quotidien. Charlotte de Turckheim, présente à l'écran tout l'été dans Les Traîtres sur M6, aime faire rire son public et ses amis. Mais en bon clown triste, elle cache également quelques failles parmi lesquelles la difficile gestion de la maladie de sa mère, Françoise âgée de 93 ans et atteinte d'Alzheimer. La comédienne s'est confiée à Gala dans le dernier numéro en kiosque depuis le 10 août dernier, « Ma petite maman a la maladie d'Alzheimer. Elle vit avec nous une partie de la semaine. L'effet miroir est fort. Je vois à quoi ressemble la fin de la vie. Des confidences touchantes pour celle qui vit en Provence, dans une maison située à Égalières, remplie de vie et d'amour puisqu'elle l'occupe avec son cher compagnon Zaman. » Charlotte de Turckheim est toutefois très reconnaissante du bonheur de partager avec sa mère cet endroit si apaisant, « Mais vous savez, je me trouve chanceuse. Grâce à ma petite maman qui est tombée amoureuse de cet endroit, je vis ici, et Zaman, mon mari, est si heureux en Provence. » Les paysages des Alpes lui rappellent ceux de son enfance, les terres de l'Afghanistan. Charlotte de Turckheim peut compter sur ses filles et son compagnon. Son histoire d'amour avec Zaman Hachemi a débuté alors que la mère de Julia Piaton entamait sa cinquantaine. L'un comme l'autre, nous avions été mariés et divorcés. Nous avons compris qu'on ne changeait pas son conjoint et nous avons réussi à ne pas faire les mêmes erreurs, s'est-elle ainsi réjouie auprès de Télé Loisirs cet été. Avec Zaman, la vedette de Chouan a aussi accueilli sa fille, alors encore enfant. J'ai trois filles plus une, puisque Zaman est arrivé dans ma vie avec Jeanne, une petite fille de 7 ans, qui en a 22 maintenant. J'ai un rapport merveilleux avec nos quatre filles, a révélé la sexagénaire à la tête d'une maison d'hôtes. J'ai beaucoup de chance. Elles sont formidables, très engagées et concernées par ce qu'il se passe. J'ai l'impression qu'elles sont toutes les quatre, moi en mieux, s'est-elle amusée. Un clan soudé qui fait bloc pour épauler la comédienne dans ses moments difficiles. Crédit photo, Coadic Guirec.